Yo, salut les amis, c'est Maître, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui les amis, on se retrouve avec pas mal de retard, une nouvelle vidéo. Il faut comprendre que des fois j'ai pas envie de faire des vidéos, des fois j'ai des priorités et j'ai pas forcément envie de faire une vidéo. Et là ça faisait un petit moment que je vous ai pas créé du contenu et du coup je me suis dit aujourd'hui j'ai l'envie, aujourd'hui je vais leur faire une petite vidéo sympathique. Donc le sujet du jour c'est entre guillemets les cocus. Les personnes qui trompent leur mari ou leur femme. Et du coup, je vous ai concocté un peu toutes les vidéos que j'ai trouvées sur ce genre de phénomène. Donc, avant de commencer la vidéo et avant de vous présenter les vidéos, je tenais à dire que ça peut arriver à tout le monde. Donc, faut bien faire attention au comportement de votre conjoint, au comportement de votre femme, si elle se fait un peu trop coquette pour aller au boulot, parce que oui, tu peux te faire tromper dans pas mal de circonstances, c'est-à-dire au travail, ça peut être lors d'une soirée, ça peut être quelqu'un, un membre de ta famille, ça peut être vraiment, ça peut venir de nulle part. Donc faites bien attention à vous. En tout cas, je le souhaite à aucun de mes ennemis parce que, en tout cas, pour un homme, c'est la pire trahison qu'il peut avoir. Donc moi, j'espère que ça m'arrivera jamais, je touche du bois. Voilà, mais après, il faut prendre soin de vos femmes, il faut prendre soin de vos maris. Et du coup, ça devrait pas arriver. Mais en tout cas, on peut pas dire qu'on soit à l'abri. D'accord? Donc les amis, on va partir, pardon, avec la première vidéo. C'est une vidéo directe, choquante. Donc là, il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a pas de. Vraiment, il n'y a aucun doute. Là, le mec entre directement chez lui. Il entend des bruits. Et là, boum! Il tombe sur le fait accompli et là tu peux pas dire oui mais non mais parce que non parce que là elle est dénudée et du coup je vous laisse regarder la vidéo. Pour moi elle est choquante, pour moi elle est choquante et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. À tout de suite. Hey bro, how you doing, man? Alright, boss, what's happening? Alright, so you with my wife? What's up, boss? That's my wife right there. Okay, well. Alright, Doug, turn the camera on. Alright, that's my wife. Alright, I don't know what you're digging for, but that's my wife right there. Turn the camera on. And I want a divorce, okay? Will you give me a divorce? Will you give me a divorce, please? Please, give me a divorce. I don't want to deal with this anymore. Okay? I'll turn the camera off. All right? Here's the key. I'm done. All right? I'm done. I'm done with you. Okay? I love my daughter. That's the only thing that's important to me, okay? I have no beef between me and you anymore. I know you're a good man. It's all good, man. This is not going to be seen by anybody except the judge. All right? So you ain't got to worry about nothing. All right? I'm sorry for disturbing you. You have a nice day. Bon, les amis, vous avez vu que tomber sur ce genre de choses, c'est très compliqué. En tout cas, je voulais féliciter le mec qui a bien réagi parce que franchement, il y en a certains, ils seraient rentrés directement, ça aurait été ou bagarre ou meurtre, ou ça arrive très très souvent. Donc voilà, il a su garder son sang-froid, il demande le divorce, il pose la clé de la maison et voilà, il dit qu'il aime bien sa fille et que voilà, il va faire le nécessaire pour divorcer. De toute façon, il n'a pas trop le choix. Et voilà, on va dire que c'est très compliqué comme réaction, mais en tout cas, moi, je ne sais pas du tout comment je réagirais. Voilà, donc on va passer directement à la prochaine vidéo. Je pense qu'elle se passe en Russie. Donc là, c'est le mari qui découvre sa femme avec un autre homme. Là, la particularité, c'est qu'ils avaient prévu le coup. Et vraiment, ça fait comme dans les films où il a mis un système d'évasion en place. Je vous laisse regarder, vous allez rigoler. Et du coup, on se retrouve directement après pour en débattre dans l'espace commentaire. A tout de suite. Опа! А! Попались грешники! Ой, он куда?
Смотри, у меня такие же трусы, блин. Второй такой. Ты-то куда, Лесик? Ты-то куда, блин? Он убьет там! Давай полицию вызови! Я на голос, ты посмотри! Нормально! Давай полицию вызови! Да и финал, блин! Ну? На, нафиг! Ебучий спецназовец. А не, ебучий спецназовец. Прыгай давай, ну! Держу ты, блин! Смешно, потому что... Нормально, нормально, нормально! О, второй, второй! Alors cette vidéo elle me fait rire, pourquoi les amis? Parce qu'en fait on pense que c'est un canular jusqu'à que ben, la corde qui s'est fabriquée cède et il s'éclate le popotin au sol. Ça a dû vraiment faire mal, il boite quand il se relève et du coup voilà, je pense que c'est pas un canular et vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, si c'est un canular ou pas. Alors pour le prochain les amis, pareil, j'ai un petit doute sur l'authenticité de cette vidéo, mais en tout cas, si vous voulez faire dans la discrétion, c'est un peu raté parce qu'il y a du monde au balcon, comme on dit. Il prend la fuite, pareil, dans le même genre que la vidéo précédente. Il s'est fait une petite sorte de cordelette avec les draps. Le problème, c'est qu'il y a tous les gens du quartier qui sont autour. Il y a les pompiers pour un éventuel crash du deuxième étage, donc ça peut arriver. Et du coup, là, niveau discrétion, il est un peu grillé et en plus, tout le monde est au courant. Donc du coup, je vous laisse regarder la vidéo et dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. A tout de suite. Cornudo! Alors les amis, pour la prochaine vidéo, ça sera la dernière de ce petit épisode. Alors là, je suis perplexe. Donc là, on aurait dit un sketch. Moi, pour moi, elle m'a fait rire, malgré les circonstances. Elle m'a vraiment fait rire. Je vous laisse regarder la vidéo dans son entièreté. Je vous laisse, pareil, laisser un petit commentaire juste en dessous pour me dire est-ce que c'est un canular ou pas. Parce que vraiment, là, on est dans le pur sketch. Hein. Ça aurait pu passer à la télé. Franchement, ça serait passé inaperçu. Mais là, comme c'est filmé par un téléphone, par une personne amateur... Voilà, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que... Je sais pas du tout. Ça me paraît vrai, mais voilà, c'est tellement... cette vidéo, elle est tellement bizarre que ça m'a mis un petit doute. Donc voilà, ben, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. On fait un petit débrief en fin de vidéo. A tout de suite. Thank you.
pas tout. Voilà, ouais, c'est bon, allez. Ah, oui, Marie, qui passe. Ah, oui, Marie, non, les. Allez, viens la table. Qu'est-ce qui est passé? Alors là, les amis, voilà pourquoi j'ai dit c'est irréel. Là, la meuf, au lieu de partir, elle se cache dans le carton et après elle tape un sprint à la fin. Arrête, elle aurait pu partir dès le début, tu vois, je sais pas. Donc, laissez-moi un petit commentaire en me disant, ouais, c'est un canular, je sais pas du tout. En tout cas, ça me paraît vrai. Mais c'est tellement irréel et ça m'a tellement fait rire quand elle sort du carton, elle tape un sprint. C'est un truc de ouf. Donc ben voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura fait un peu rire malgré les circonstances. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao les amis.